est fait. La copilote. Ah bah c'est important. Et puis cette course de côte s'est arrêtée il y a 2 ans, donc nous sommes aujourd'hui à la 2e édition de la montée historique. Malgré tout, nous avons refusé les engagements des voitures trop récentes. La voiture, nous sommes arrêtés à l'année 1990, c'est-à-dire que cette montée historique est une véritable montée historique. Je voulais vous rappeler quand même quelques règles, je suppose que vous avez tous lu. Quel plaisir de te voir. Beaucoup de Porsche, hein. Avant ça servait. Mais les Porsche sont toujours les bienvenus et d'ailleurs. C'est Dauphine. Bon vieux temps. Eh ouais, ça rappelle des soucis. Ah ouais. Jean-Pierre Simonin, on est dans l'Ain avec les Team Pro Valais et cette Ford Sirac RS Cosworth. Thank you.
Vigneron qui nous rejoint, celle de Philippe Lepelu avec cette Peugeot 205 T16. S'il y a bien avec cette voiture, on peut voir le moteur à l'arrière. Tout est derrière, là, tout est là. Si tu avais un petit bout de tube qui s'emboîte bien dedans, un peu, peut rouler. Et puis 107, c'est René Voya, la Porsche 911 SC. C'est une des voitures peut-être les plus imposantes du plateau. Oh!
Très bien. Ça se passe bien ? Ça se passe super bien. Philippe Lavie avec cette Ford Sierra maintenant. Alexandre Desbiol, numéro 125, la Ford Sierra Cosor. Ensuite, Vincent et Muriel Pernolet. Production 1976. Escort 2, 1979, moteur de l'île.